Salut à toi. Je voulais te montrer où j'en étais dans mon projet de Cimerick et Louis. Parce que, tu sais, tu me suis sur la page Facebook, fait que tu as le droit de savoir des affaires. Puis si tu ne me suis pas sur la page Facebook, ben, tu peux toujours l'aimer, la page Cimerick et Louis. C'est toujours agréable de suivre un créateur en train de créer. Donc, voilà. J'ai commencé l'intégration des images et du texte, parce que le texte est déjà terminé, corrigé. Donc là, il me reste juste à faire la partie, mettre les éléments sur la tablette et illustrer, mettre en page, faire des tests de lisibilité, ce genre de choses-là. D'ailleurs, au début, j'avais fait ça sur un fond de papier, puis le titre ressortait mal, j'ai changé le fond, j'ai mis un fond plus foncé, comme vous pouvez le voir. On va avoir le livre, guide d'interactivité. Les crédits, des extras, ça va peut-être être justement des croquis puis ce genre de choses-là, peut-être même des entrevues ou même ce vidéo, qui sait. Puis les nouvelles, ça va être quand il va y avoir une nouvelle sortie puis ce genre de choses-là. Donc, on commence par le livre lui-même. On commence avec une table des matières. Là. Présentement, elle a juste cet élément-là, mais c'est plus pour la navigation rapide. C'est ça qui est le fun aussi du processus créatif avec l'application que les gens de Beehiver m'ont permis de faire, c'est que je peux tout le temps modifier, je travaille au fur et à mesure, je fais des tests, si tu facile à lire, si tu pas facile à lire, si tu facile à naviguer, si tu es intuitif, etc. Fait que dans ça là, on passe avec ça. On navigue comme cela. Oh, là, je suis allé à l'envers, excusez. Poink. Fait que là, on a la page titre, les cycles du cauchemar, les douleurs de l'apprentissage, tome 1. Jusqu'ici, je m'enligne pour 6 tomes, mine de rien. Fait qu'on a les douleurs de l'apprentissage, les chaos de la route, la jungle insoumise, la morsure du serpent de givre, l'autre, c'est l'œil, je sais pas trop quoi, puis le dernier, ben, je le garde en surprise. La page des crédits, voir tous les crédits ici. Ensuite, on arrive à la page du prologue. Donc, j'ai fait des tests aussi de lisibilité pour voir quelle est la meilleure typographie, la grosseur de la typographie, mettre le fond différent. Comme là, présentement, c'est plus blanc de ce côté-là que de ce côté-là. J'ai appliqué un dégradé pour être capable de voir mieux la typographie. Quand on a une illustration comme ça, oh ben, on a des grandes illustrations. Mon objectif, c'est aussi d'avoir un autre type d'illustration que je vous montrerai dans un prochain vidéo, probablement. Mais pour l'instant, c'est quand même sympathique d'avoir le zoom sur l'image. Ici, on a un truc de navigation. Si on passe sur le piton rouge, on revient à l'écran de base que je vous ai montré tantôt. Et le bouton bleu t'amène à la table des matières. Fait qu'en tout temps, tu peux revenir à ta table des matières. Puis, ah, ok, je veux retourner à les 100 pas, qui était la page qui était ici. OK. Puis ensuite, on a ici une page, la deuxième page du prologue, où ce que là, ah, tiens donc, on a un carnet. Oups, on peut arriver avec le carnet. Poum, j'ouvre le carnet. Et bien ici, voilà. Carnet. Fait que là, c'est un carnet. Dans Cimerick, ce qu'il faut savoir, ça s'appelle les carnets de Cimerick Elwig. Donc, la plus grande part du contenu, c'est, mettons, 2 tiers de texte en matière de carnet, puis 1 tiers en matière de texte au il qui est sur les pages normales qu'on peut atteindre. En pesant ici, je loupe, voilà, ça c'est le texte au il. Donc si je repasse là-dessus, on a le carnet, la demande des abessas, puis tout ça. Quand on a une illustration encore là, poup, on arrive là, puis oh, ça c'est un test d'illustration et pas final, mais c'est pour dire qu'on peut faire ça. On peut zoomer dedans, puis aller se promener dedans. Puis c'est ça en gros. Fait que vous voyez, il y a beaucoup de texte dans le carnet. Avant de. Ça, c'est un dessin qui n'est pas encore fait, mais que je me dis, ah, ça pourrait être pas pire de avoir ce dessin-là ici, parce que justement, tu avais juste un petit peu de texte. Puis en même temps, ça illustre, tu sais, où ça se passe, c'est-à-dire dans cette petite motte qui est là. Fait que je ferme. Et c'est ça pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai fait ce prototype. Même pas un prototype, ça c'est le final on the way, on the go, on the production. Et j'espère que ça vous stimule l'imaginaire, autant que moi, ça me stimule les neurones de travailler là-dessus. Alors sur ce, bonne journée!